sang sur les paupières ou les joues, signalez-le à la garde urbaine. Hey, salut à tous, moi c'est Little et on se retrouve pour un troisième épisode, un troisième first level sur Dishonored. Je suis fier de moi là, j'ai pas fail. Donc on se souvient tous de ce qui s'était passé avant, j'ai récupéré, j'ai eu mes premiers pouvoirs. C'était super top, tip top de la mort que tu as eu, donc je vais en profiter maintenant et puis je vais continuer un petit peu l'aventure pour découvrir ce jeu pour ce troisième épisode. Donc pour la petite histoire, le jeu je ferai seulement 5 vidéos sur ce jeu là, pas plus. En tout cas en ce qui concerne les first levels. Après, pour les next levels, je verrai bien plus tard parce que j'en ai quand même beaucoup bien d'autres à faire avant. Donc voilà. Alors, hop, allez, on y arrive. Non. On va dire oui quand même parce que bon, je suis pas suicidaire non plus. Les marqueurs de grenades, non. Ce type du viseur, je sais pas ce que c'est moi. Simple, non. Je sais pas, je vais regarder simple ce que c'est. Déplacement du viseur, je sais pas ce que c'est, donc j'y touche pas. Opacité du viseur, j'y touche pas. Voilà, je pense que je vais même peut-être retirer comme un fou. Jusque... Ah, j'ai encore ma vie qui s'affiche, alors ça c'est pas intéressant. Ah oui, jamais. Non, je dois faire très attention à moi-même. Et on retire le viseur, parce que comme ça je suis un vrai fou. Et on va avoir une interface à peu près vide. C'est génial, non? C'est génial, enfin presque, parce que moi j'ai quand même l'indicateur là, je le garde, parce que sinon les vidéos n'en finiront jamais, parce que je saurai jamais où je dois aller. Voilà, donc c'est parti pour la suite de cet épisode, on y va proprement. Il faut que je prépare un lit pour Samuel. Vous pouvez, mais ce sera inutile. Pourquoi? Il ne peut pas dormir dans des lits normaux, dit-il. Il aurait passé trop de temps dans la marine. C'est fou, non? Comment il se la pète? Vous voyez Stoddy? Il l'a construit à partir d'une vieille barre. Bien, venons-en au fait. D'abord, je sais que cet assassinat n'a rien de plaisant. Mais parfois, il faut savoir se salir les mains pour faire un monde meilleur. L'objectif est clair. Rétablir la lignée de Sa Majesté en retrouvant Emily Caldwin et en la mettant sur le trône. Pour cela, nous agirons cachés dans l'ombre. Nous les aurons, l'un après l'autre. Ce soir, le superviseur Campbell mourra de votre main. Ce ne sera pas facile. Il est protégé par ses superviseurs, une bande de fanatiques religieux. Mais si quelqu'un peut le faire, c'est vous. Vos exploits sont légendaires. Campbell a sur lui un journal. Quand vous l'aurez tué, prenez-le, car nous pensons qu'il indique l'endroit où se trouve Emily. La retrouver est bien sûr indispensable, si elle est en vie. Voilà pour l'essentiel. Servez notre cause et frappez juste. Nous comptons sur vous. Autre chose. Campbell détient un ancien superviseur du nom de Martin. C'est l'un des nôtres. Et si vous le retrouvez, aidez-le autant que vous le pourrez. C'est un maître stratège qui s'est fait prendre à travailler pour nous. Il serait bon de le ramener au Horn Pits. Ok, c'est parti. Allez, au boulot. C'est qui ça? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Bonjour. Je suis Callista. Je travaille pour l'amiral Havelock. Excusez-moi de me mêler de vos affaires, mais c'est important. Je suppose que vous allez assassiner le grand superviseur. Cet homme affreux. Vous n'avez aucune raison d'écouter mes propos. Mais mon oncle, Geoff Curnow, est capitaine de la garde urbaine. C'est un homme bon et il est ma seule famille. Les serviteurs racontent que Campbell vient de recevoir un poison exotique. Et je pense savoir pourquoi. Mon oncle n'est pas corrompu comme les autres. Campbell veut empoisonner mon oncle. Pensez-vous pouvoir le protéger? C'est dans vos cordes, non? C'était votre boulot avant que... que vous ne deveniez un assassin. Sale pute! Mais j'accepte. Déjà, je vais faire ça. Alors, donc, je peux utiliser mon ce cœur, hein, pour... faut que je sache comment aller là-bas, surtout. Et ça, c'est
La plus grande difficulté, comment je passe? Bah oui, clé du handpit, ok. Je vais passer par là alors. Je suis Corvo quand même. Allez là. J'ai une rune. Bon, ça se dit pas j'ai une rune, mais enfin, moi je le dis quand même parce que je suis un peu un fou. Non, apparemment je ne peux pas monter ici. Mais ça a l'air sympa de monter. Alors plutôt qu'avancer dans la quête tout de suite, je vais quand même essayer de faire de la grimpette. Voilà, c'est dit. Au moins c'est clair. Mais mince, je veux remonter là. Allez. Allez Corvo, t'arrêtes de faire chier là, tu bouges. Eh merde. What? Ah, je me fais agresser par un poisson quoi. Sérieux quoi? Un putain de poisson qui vient de me bouffer les mollets. Ah, j'accepte pas ça, hein! Non mais oh! C'est quoi ce genre de comportement inadmissible? Voilà, inadmettable! Ceux qui me connaissent savent que je le fais exprès! Ah, c'est une blague, je peux vraiment pas monter ici? D'accord. C'est pas haut pourtant. Non, bah évidemment. C'eût été trop simple. Ou alors. Eh ben non. Voilà. Bon bah je vais pouvoir avancer la quête principale. Je savais que je trouverais quelque chose d'intéressant ici. Je le savais. Essayer. Alors j'avais dit que je faisais quelques quêtes déjà. Éliminer le grand superviseur, facultatif. Repart vivant du bureau, d'accord. Ça va être difficile comme quête, ça va être difficile, mais bon, j'ai pas peur. Petite sauvegarde automatique, enfin rapide. Au fait, vous devriez aller voir Pierrot avant de vous aventurer chez les superviseurs. Oh. Mieux vous rassembler du bon matériel avant de vous jeter. Pierrot. Où qu'il aille. Coucou Pierrot. Que puis-je faire pour vous? Je sais pas. Combien j'en ai en possession? 3 anesthésiants, 7 normaux. Je vais déjà acheter des carreaux. Voilà. Puis ah, je peux même acheter directement des runes. Le mec, il a des runes. Ok. Why not? Ça va me suffire pour le moment. J'aime bien ça. J'ai pris ta clé. Ouh, j'en vais avec ta clé. Qui va m'ouvrir sensiblement rien du tout. Enfin, pour le moment. Ah, mais ça se trouve, c'est là-bas. Excusez-moi, je vais voir. Je pense que c'était ce truc, mais c'était un truc. Alors, il y a un truc que j'ai découvert qui est assez sympathique. Hein. Il y a des grosses poubelles par endroits. Et on peut les ouvrir et se planquer à l'intérieur. Bon, ça fait un peu clochard, mais bon... Dans l'idée, c'est plutôt sympa à exploiter, je pense. Donc j'essaierai de bien faire les choses quand même. C'est quand même beau. Vous êtes prêts? Ouais. C'est quand vous voulez. Tout de suite.
Put the mask. J'ai pas encore de rat. Enfin, j'ai pas encore le pouvoir. Et j'aimerais bien l'avoir d'ailleurs, ça serait cool. Ce sera pas facile. Avant, il suffisait de remonter Clavering Boulevard, mais plus maintenant. La moitié de la ville a été balayée par la peste. Et les survivants se disputent les restes. La garde urbaine tient encore les principaux axes, et elle a placé des portails foudroyants partout. Ces trucs vous crament un homme en un instant. Tout ce que la garde urbaine ne contrôle pas est tombé aux mains des gangs. Je suis un surhomme. Et puis il y a des originaux qui vivent en marge, comme Mamie Chiffon. On dit qu'elle est folle. Mamie Chiffon. Faites votre choix. Mamie Chiffon. Mais pourquoi pas? Après tout. Alors, première étape, observer le terrain. Dernier a bougé. Hein? Ouais, le petit. Impossible, j'ai vérifié moi-même. Je continue. Bon, bah là, il bougera plus. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ça avait l'air tellement trop marrant. Un, deux, trois. Bien. Allez, continue. Qui met à y pionce quoi. 2, 3, allez! Mais c'est vrai pourquoi je me cache, moi en fait pour le moment j'ai pas besoin de me cacher. Mon bras a été abandonné aux crapules. Je suis une crapule. Je suis un assassin! 2, 3, allez! Oh, tous les cadavres! Citoyens de Dunwall. Ceci est un message spécial de notre vénéré Lord Régent. C'est votre Lord Régent. Ah oui, d'accord, ils veulent quand même me tuer. Je regrette de vous annoncer que mon mandat de Régent a été prolongé au moins jusqu'au mois des récoltes. En outre, la crise actuelle m'oblige à maintenir en poste les superviseurs de l'abbaye du Kidam. Ils seront désormais habilités à faire régner l'ordre par la force, si nécessaire. Grâce soit rendue au grand superviseur Campbell, leur supérieur, pour sa générosité. Bah j'ai déjà été repéré apparemment, donc c'est un bon départ. Votre attention, citoyen de Dunwall. Signalez tout décès dans votre famille auprès de la Brigade des Morts. La brigade des morts sera sanctionnée. En fait, je sais pas. Ah, c'est par là. Allez, allez. Comment ai-je pu y échapper? Tous les autres ont attrapé la maladie. T'es un mec trop balèze, c'est comme ça que t'y as échappé. Alors... Ok donc... Je dois comprendre que la vieille est par là, puisque le mec a été tué en étant à ce niveau-là. Donc ça veut dire que la petite vieille, elle serait dans un bâtiment par là. En tout cas, ça, c'est possible. Moi j'aime bien cette idée d'avoir une liberté quasi totale. Je dis bien quasi parce que bon, bien sûr c'est qu'une impression pour la part du temps. Et j'ai envie de prendre un peu, j'ai vraiment envie de prendre beaucoup mon temps, observer tout ça, bien apprécier le jeu surtout en fait.
le savourer. Là, il y a plein de rats. Plein de trucs à ramasser. Il fait noir. Oh, le beau chapeau. Oh merde. Pauvre gars. Non, non, non. C'est quand même triste. Là, ils ont mis l'action quand même dans un monde assez ouf. Hein. Lâchez-moi. Ah, un problème avec les rats, monsieur? Ah, on a un malade là. J'adore quand il siffle cette musique, enfin quand il marmonne cette musique. Lâchez-moi. Alors qu'est-ce que c'est ça là-bas? Il ne peut pas être ouvert pour l'instant. C'est noté. Je me balade au sol, je suis fou. Nom 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 nom. Là on me dira, je suis sûr qu'on va me dire à un moment ou à un autre. Ah Little, faut pas que tu manges tout, parce que en fait, et ben, si tu manges tout, et ben si jamais t'as du mal, bah ben, t'auras plus rien à manger. Et là je vous dis, j'aime à fou. Voilà. Ah. Ah, j'aime pas ça. Ils sont agressifs les rats apparemment. Ah, je vais pas trop chercher les emmerdes avec eux. Ah, étrange. Clé de l'entrée de Mamie Chiffon, d'accord. C'est par ici chez Mamie Chiffon. Bah super. D'accord. Manger. Découper.
Je suis chez Mamie Chiffon. Mouais. Mouais. Et Mamie Chiffon, y'a pas un problème chez elle en fait? Oh. Super. Sois prudent, Corvo. On l'appelle Mamie Chiffon. Son nom ne te dirait sûrement rien, pas plus que le nom de sa famille. Mais un empereur l'a voulu pour femme, jadis. Et de jeunes fortunés se battaient pour avoir ses faveurs. Je l'ai vu les contempler tous, les évaluer, mais sans donner suite. Puis, elle a fait d'autres choix. Tu pars affronter le grand superviseur, le chef d'un important culte voué à ma destruction. Que vas-tu faire, cher Corvo? Je vais t'aider, pardi! T'as beau être trop dark, je sens que tu vas me trahir et que tu vas être trop méchant, mais je suis con et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour utiliser mes pouvoirs que tu m'as donné après tout, parce que c'est génial. Ils sont trop hype, mes pouvoirs, ils sont trop hype. Je te remercie en tout cas, merci, merci. Voilà. Oui, je suis en train de péter mon cap, désolé, hein. C'est bon, ça arrive à tout le monde. Alors, Mamie Chiffon, t'es où, Mamie? Mamie? Mamie! Qu'est-ce qu'il y a plein de rats ici? C'est un peu tendu après pour ressortir. Je peux faire la méthode du ouf! Et ouais, ça marche plus. Chla! 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 Je les tue tous hein, parce que j'ai envie d'aller visiter la maison. Enfin, finir visiter la maison tranquillement. Voilà, vous êtes en sous-nombre les PD1. Hein. Vous fuyez maintenant, hein. Et là, ils reviennent tous avec une vague. Ils sont, je sais pas combien ils vont être. Et moi, je vais me faire violenter sauvagement. Ah, mais ça. Oh, it's a trap. J'ai envie d'aller dedans, tiens. Ça fonctionnera pas. Appuyez sur le bouton. Bon, d'accord. Pas de bouton. Ok, c'est reparti. Alors, 7. Bon, vous l'aurez remarqué, ça aurait été une partie très... plus axée sur la... la promenade, un peu. Hein. Je découvre le monde... le monde qui m'entoure dans ce jeu. La partie pure gameplay, pur jeu, bah faut pas oublier que je découvre. Votre attention, citoyen de Dunwall. En cas de contact avec un contaminé ou un génial, une quarantaine de 2 jours consécutifs est obligatoire. Si vous présentez des signes d'infection, vous devrez être transféré au quartier inondé. Non, c'est faux. Je me cache pas. Je suis là, très visible. Vous me voyez tous. Ah oui, mais maintenant pour viser, c'est la merde. Je le mets en plein milieu de mon écran, le mec, et je tire. Si ça passe, GG à moi. C'est pas passé. Mais je peux faire des putains de leurres, c'est génial. Votre attention, citoyens de Dunwall. John Clavering Boulevard est maintenant une zone à accès réservé. Tout citoyen arrêté dans cette zone s'expose à être fouillé ou incarcéré par la garde urbaine. On va vous avoir. Volez ça. Aux armes. Yeah. Je savais que ça te plairait.
Je mets pas ta gueule, bâtard. Je m'infiltre. Bonjour. Je m'infiltre. Vous me voyez plus, les soldats. Vous savez pas que je suis là. Ah, mais non, mais c'est vrai, ils sont morts. Ah, c'est con, ça. Ah, c'est bête, hein. Ah, je veux passer sous le truc. Bon, bah, je passerai pas sous le truc. Non, non, bah non, bah non, bah non, bah non. Tombe pas, Little, tombe pas. Ok, donc, montez. Comme par hasard, ça fonctionne pas. Attrapez la chaîne. Charme d'os. Charmant. pardon. Darren et Gwen. Je sais pas pourquoi j'aurais tendance à dire que c'était un... C'est un des mecs qui était sur le développement du jeu qui a marqué ce petit message pour sa chérie. Voilà, donc, truc assez fréquent. Hein, des petits messages qu'on fait passer. Puis c'est mignon en plus. C'est toujours mignon. Ok, est-ce qu'il y a d'autres... Là-bas. C'est en fait, vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il avance pas dans le jeu? Pourquoi est-ce qu'il fait n'importe quoi? Pourquoi est-ce que... Mais pourquoi? Parce que, voilà, parce que... C'est... Pour être franc, j'essaie de récupérer assez rapidement des... De quoi charger mes charmes. Parce que... Dans la même zone en fait, il faudrait peut-être que je retourne dans la zone précédente. Ah bah j'étais dans la zone précédente. J'essaie de récupérer rapidement des... J'ai oublié comment ça s'appelle, des runes. Pour pouvoir débloquer... De nouvelles compétences. Ah bah voilà. De nouvelles compétences pour pouvoir justement progresser... un peu mieux dans le jeu on va dire, voilà. Vous croyez que eux ils me veulent du mal? Franchement. Cela, le charme, la rune elle est juste là-dedans quoi. C'est abusé, je la vois presque, je pourrais. Elle est presque palpable. Y a quelqu'un? Absolument pas. Ah, oh, c'est charmant son bruit. Lâchez-moi. The fuck? What the fuck? Lâchez-moi. C'était lui que j'aurais dû tuer en premier? Non? What? What? Oh putain, c'est pas vrai. Dernière sauvegarde auto. voilà. Oh punaise. Ah ouf, ça va. Si ça c'est pas n'importe quoi. Ah ouais mais non, c'était pas une... Non, non, idée de merde. Idée de merde. Idée de merde, y'a des poissons qui piquent. Very good. Sale putain de poisson de merde. Ok, y'a pas de soucis. Tout s'est bien passé. On croirait que j'ai fail, mais en fait, pas du tout. Mauvaise foi, bonjour. Y'a pas un petit... Ouais, un peu loin celle-là. Alors, l'idée de prendre des... C'était bourrin tout à l'heure, je sais, mais ça a fonctionné. Tiens. Tiens, je fous la merde. Un gars qui fout la merde autour de lui. Partout où je vais, c'est la merde, voilà. Je sais pas ce que j'ai désactivé en fait, mais bon, c'est pas grave. J'y suis déjà allé là-bas.
Voilà. Lâchez-moi. Sauvegarde auto. Rapide. Allez, attrapez-le. Au secours. Ah, c'était juste. Merde quoi, c'est quoi ces gars qui crachent de la du feu là? Le mec, je viens me fight contre lui. Je vous revaudrai ça. Votre visage, je veux pas le voir. Après un truc pareil, moi aussi je me cacherai la figure. Ah vous bon? Savez quoi? Je vais vous remercier tout de suite. Passez à ma boutique, chez Griff, ça s'appelle. D'accord. Enfin, ça s'appelait. La ville est en train de crever, alors moi je récupère des trucs à droite et à gauche. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je peux vous l'échanger contre un peu d'argent. D'accord. Un jour peut-être la peste disparaîtra et tout redeviendra comme avant. En attendant, je fais les poubelles. Moi aussi! On est deux comme ça, casse-toi, tu me gênes. Hein? Quoi, un? On dit pas un, on dit comment? Un charme. Charmant tout ça. Ah, ça fait deux fois que je fais la même blague, ça commence à être fatigant. Oh, oh zut, je deviens nul, j'ai plus d'humour. Pendant que j'y suis, là, qu'est-ce que je vais faire? Là, ok. Hop, alors. Mon cœur me dit d'aller... où je veux. Allez, j'ai envie de voir ça. Qui fait ce bruit? Ok, c'était une idée à la con. Quelqu'un vient de m'aider. Quelqu'un va se faire planter. Regarde. Oh, je vais te trouver. C'est faux. Ah, je suis un rat. Laissez-le partir. Le mec comme ça il abandonne. Ah ouais. Le gars comme ça il abandonne. Ne laissez pas filer. Nah, allez vas-y écrase des rats. Alors il va faire quoi lui? Est-ce qu'il se retourne? Qu'est-ce qu'il fait? Hey, on va te trouver. C'est ça ouais. C'est beau l'espoir. Dans ton cul. C'est faux. Et si je l'ai lancé, hein? Hein? Si je l'ai lancé. Dans ta bouche. C'est faux, je suis pas difficile à choper. Je retourne à Battle Street. Battle! Battle!
chien! Je sais pas si vous avez capté, mes chères personnes qui regardent mes vidéos, mais j'avance pas dans le jeu là. Mais alors pas du tout. Les mecs ils mettent des carreaux pour accrocher des trucs au mur. Ouais. Ouais, c'est concept. Après tout. Allez, ouvre la porte là. Vieil homme. Vous voulez jeter un œil à ce que j'ai trouvé? Je fais des bons prix. Vas-y, fais voir. L'anti-agrossissement. Ah oui! D'accord, j'ai des schémas. C'est bien que je les prenne tant que je les trouve après tout, puisque ça permettra d'améliorer mon masque. Et améliorer le masque, c'est bien. Alors je pouvais passer par les airs, mais comme d'habitude, j'ai pas d'habitude en fait. Dans un jeu auquel on joue depuis pas longtemps, on peut pas considérer qu'on a de vraies habitudes. Où est-ce que je vais passer? Je dois aller au bout. Ah, soldat. Cuir, comme ça. Espère de la fuite. On sait que vous êtes là. C'est faux. On sait que vous êtes là. On va vous trouver. Ou pas. Il est malin. Regarde partout. Non. Je vous trouverai, espèce de mixine. Non. Je suis discret. Putain, je vais avoir le cabinet du docteur Ga... Galvani. J'avais pas fini ma phrase. Combinaison requise. Journal. Note. Non. 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 Et non. Ok, je dois pouvoir trouver sans doute son... Les clés. Le code dans la maison. À moins qu'il y ait des chiffres intéressants. Je vais déjà jeter un œil. Est-ce que j'ai un truc là-dedans ? Non. Rien du tout là-dedans. Ah, mais il est temps pour moi de finir cette vidéo. J'avais pas vu le temps là. Dites donc. Vous me l'avez mise à revers là, j'ai pas aimé. Je suis un casseur. Voilà. Donc bah écoutez, on va arrêter la vidéo là tout de suite maintenant. Et puis je mets même pas les images de fin comme d'habitude. Je conclue directement par n'oubliez pas les amis, la chaîne de plus n'est pas nécessairement la chaîne de moins. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. J'ai vraiment du mal, c'est mon slogan, c'est moi qui l'ai trouvé, mais j'arrive encore à me planter dessus. D'ailleurs j'espère vraiment que vous aimez nos vidéos quand même, hein, parce qu'on se fait chier, on se casse le cul quand même. C'est quand même pour qu'on soit un petit peu apprécié. Alors continuez de nous aimer et puis partagez nos vidéos, ça nous fera toujours plaisir.
N'oubliez pas, n'hésitez pas non plus à les partager sur Facebook, même si vous avez des amis qui ne sont pas geeks, ils ont peut-être eux-mêmes des amis geeks, ou alors ils peuvent aimer notre contenu dans tous les cas. Bref, je reprends ma phrase habituelle, et cette fois je ne la loupe pas. N'oubliez pas les amis, la chaîne de plus, ce n'est pas nécessairement la chaîne de trop. Allez, bisous à tous.